suis en confinement à Bordeaux avec ma mère et mon chien. Qu'est-ce que je fais de mes journées? Oula, je fais beaucoup de choses, hein. Non, mais j'essaye de m'occuper, donc je mange, très important, cuistot vivi. Après, non, j'essaye de m'occuper, donc je lis, je regarde des films, je regarde des séries, je fais du piano parce que j'aime beaucoup. Après, je prends des nouvelles de mes proches parce que c'est très important. Et voilà, j'essaye de faire un peu tout ce que j'ai pas trop l'habitude de faire au quotidien parce que j'ai pas trop le temps avec le foot. Mais voilà, et surtout ce que j'aime le plus faire, embêter mes amis par téléphone. Meilleur de ma journée. Chaque semaine, notre préparateur physique en club, il nous envoie un programme et c'est bien, il est assez diversifié, mais il est très dur. Hein. Mais c'est bien, ça me permet de garder la forme et voilà, surtout de penser à autre chose l'espace d'un temps. Après, j'ai un vélo aussi, j'ai du matériel aussi, et du matériel aussi que le club m'a donné. Donc, c'est bien, j'ai de quoi m'occuper. Donc, voilà, comment je garde la forme. Oui, bien sûr, on se donne des nouvelles, on reste toujours en contact et voilà, c'est très important. Après, voilà, on aime bien s'embêter et je pense que les gens, ils peuvent le voir sur les réseaux qu'on aime bien toutes s'embêter. Après, voilà, confinement ou pas, on reste les mêmes. On s'embête tous les jours et ce sera comme ça tous les jours. C'est très important de rester chez vous. On veut tous la même chose. On veut tous repartir au stade. On veut tous vibrer quand on voit un match. On veut tous cet engouement qui nous manque en fait. Mais pour ça, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de rester chez soi. Très important. La santé avant tout. Le football, c'est très bien, certes, mais la santé avant tout. Alors restez chez vous.